Hello! Alors, c'est la rentrée, c'est le bazar, il y en a partout derrière moi, je suis désolée. J'ai pas trop rangé parce que je me suis dit qu'autant être plutôt naturelle puisque c'est un nouveau vlog. Et du coup, c'est parti pour un vlog de septembre. Chin! Alors, pour ce petit vlog de septembre, j'en vais faire simple, hein, je vais pas essayer de faire un vlog trop long. J'avais envie d'aller un petit peu au feeling parce que j'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous montrer un peu différents pour que vous puissiez suivre un peu les actualités, j'ai envie de dire, sur ce qui se passe par ici. En septembre, là, j'ai quelques partenariats, j'ai quelques projets aussi qui sont en cours ou qui commencent, mais j'ai surtout cet énorme truc-là que vous voyez derrière moi. Ça, c'est ce qu'il va falloir envoyer pour le carnet du freelance. Donc je vais vous faire un vlog à part avec vraiment toute la préparation, tout ce que j'ai reçu, tout comment on a fait pour faire les enveloppes, les envois, machin, et avec Margot dedans. Donc là, on va se contenter de faire un petit vlog tranquille, sympa, pour septembre, avec un petit peu d'illustration. Je voulais vous montrer mes inspirations du mois et je voulais vous montrer une illustration pour un petit partenariat que j'ai eu sur Instagram. Voilà, donc allez, c'est parti. Je pense que je vais filmer ça sur peut-être 2-3 jours, je sais pas trop encore. Je vous montrerai après. Allez, c'est parti. L'avantage que monsieur soit encore un petit peu en télétravail, c'est qu'il me ramène le petit déj. Et on n'avait plus rien, du coup il est parti chercher des chouquettes. Ça va, c'est sympa le télétravail? Bon, il est relayé dans le canapé, hein, parce qu'on n'a pas la place pour deux bureaux. Donc j'ai mon bureau d'un côté et lui, il est sur le canapé de l'autre. Mais on arrive à faire fonctionner le truc, hein? Ouais. Je crois qu'il est pas très content d'être sur le canapé. Oh, on ira un petit peu dehors. Tu travailleras une vraie table. Alors, le petit partenariat dont il faut que je fasse quelques illustrations, c'est pour les histoires courtes. Vous avez sûrement dû les voir passer sur Instagram. C'est plein de mini BD avec des textes assez courts et assez, on va dire, bizarres et drôles. Du coup, on m'a contacté pour pouvoir en faire une aussi. Donc je vous lis la phrase qu'il faut que j'illustre en bande dessinée. C'est assez rigolo, hein. Simone n'en croyait pas ses yeux. C'était le plus beau moment de sa vie. Plus beau que le jour de son mariage avec Fernand. Plus beau que les naissances de ses 7 enfants. Et même encore plus beau que le jour où son père lui a dit qu'il était si fier d'elle pour son entrée en 6e. Et notre grande gagnante du lancer de tronçonneuse est... Simone! On l'applaudit bien fort pour ceux qui le peuvent encore. Alors... J'ai choisi cette phrase, hein. On m'avait donné une liste et c'est moi qui l'ai choisie. J'ai trouvé assez rigolote Simone et le lancer de tronçonneuse. Du coup, je vais faire quelques petits croquis pour essayer de trouver des idées, de faire un truc assez simple et assez avec la chute, quoi, qui va vraiment aller avec. Donc il va falloir que je dessine une petite tronçonneuse, ça va être rigolo à faire, je pense. Et donc c'est parti, on va commencer par faire des petits croquis dans le carnet et après on passera sur l'iPad. C'est parti. Bon, je vais pas vous filmer toutes les illustrations faites sur iPad, hein, parce que ça va me prendre, je pense, 2-3 heures. Il y a quand même 7 illustrations à faire. Donc, je vais faire ce que j'adore faire quand j'illustre. Mettre YouTube ou mettre un podcast. Là, j'ai pas mal de trucs sur YouTube en plus à rattraper comme c'est la rentrée. Et après, les podcasts, j'ai encore des épisodes en retard aussi. Donc, à tout à l'heure, je vous montrerai le résultat. Allez, cet après-midi on va travailler un peu dehors, donc je vais laisser mon appareil photo ici pour pas me le trimballer
et je vais continuer à filmer avec mon téléphone pour vous montrer où je vais. C'est un café où je ne suis jamais encore allée. Comme je suis toute seule, j'en profite. Généralement, quand je ne connais pas les cafés, je préfère y aller toute seule la première fois. Déjà, pour pas décevoir mes potes. Et en plus, comme je connais pas la taille du café, s'il est un peu petit et qu'on vient à 2 ou 3, c'est un peu compliqué. Du coup, toute seule, c'est bien aussi. Bon alors au final je suis rentrée chez moi un peu plus tôt, je suis restée là-bas environ 2h30, 3h à peine, parce que c'est super mignon, c'est trop chou comme petit café. Il y a une salle dans le fond où il y a plein de tables et c'est vraiment que des gens qui bossent, ça c'est très cool. Il y a même une affiche avec marqué le mot de passe wifi en énorme et il y a marqué pour tous les travailleurs s'il vous plaît, le midi laissez la place pour ceux qui mangent, mais dans le sens... Ils font même référence aux travailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient travailler. Donc ça, c'est très cool. Par contre, il faisait hyper chaud dans la salle, parce qu'il y avait quand même du monde, enfin une personne environ par table, et c'était pas tenable. J'avais trop chaud, j'étais au fond de la salle, peut-être en étant dans la salle du devant, où justement ils ouvrent en grand la vitrine, mais là derrière, c'était juste pas possible. Du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis changée tellement j'avais chaud, c'était pas possible. Et après, au niveau du wifi, il y avait un code wifi et tout, mais alors peut-être j'étais trop loin de la box, j'en sais rien, mais je captais zéro, rien de wifi. Et en plus, comme j'étais au fond de la salle du fond, j'avais zéro réseau. Alors c'est trop bien, hein, j'ai pu m'asseoir, me concentrer, faire mon truc jusqu'au bout sans être dérangée une seule fois par mon téléphone. Mais par contre, si vous avez besoin du wifi, il faut pas se mettre au fond de la salle derrière. J'ai pas beaucoup filmé du coup parce qu'il y avait du monde, donc je vais faire un petit dessin. Quand même ça, je vous montre en même temps à quoi ça ressemblait. Qui c'est qui voulait s'enregistrer en train de dessiner? Qui c'est qui n'a pas appuyé sur enregistrer? C'est pas grave, vous aurez juste le dessin à la fin, quoi. Mana, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Oh bah oui, c'est dur la vie. C'est dur, c'est dur. Oh doudou. Oh doudou. Alors, pour la toute première fois, j'ai commandé en print une de mes élus. Une élue qui est passée il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup beaucoup. Et en essayant de la mettre sur des mock-ups d'affiches, je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'essayer de l'imprimer pour de vrai. En un exemplaire pour moi, juste pour voir un peu comment mes couleurs, ce que j'utilise d'habitude, ressortent en impression et à quoi ça se ressemblerait. Donc ça fait un peu plus d'une semaine où j'étais hyper pressée de la recevoir parce que j'avais vraiment envie de voir le résultat et ça vient juste d'arriver. J'ai ouvert juste le carton pour voir si c'était bien ça et pas quelque chose du carnet du freelance et du coup on va l'enlever tout de suite du carton. C'est canon. Ah, ils m'en ont mis plusieurs. J'en ai qu'une. Trop cool. Ah oui, j'en ai combien? 1, 2. Ah bah j'en ai 6. Ils ont déjà essayé plusieurs fois, ils sont dû aller. Elle a commandé plein de trucs parce que j'ai commandé vraiment beaucoup de choses. Elle a un peu abîmé au-dessus. Hein. C'est dommage, c'est pas grave, j'allais dans 24. Ta 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 ta. C'est pas trop beau. Je suis hyper contente, ça rend tellement bien. Bon, avec le soleil, bof. Ça, encadré, je pense que ça va être pas trop mal. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Donc elles sont un petit peu abîmées par le carton ici, sauf celle-là. Donc bon, si je la mets dans un cadre, ça se verra pas. Mais je vais pas les toutes les accrocher. C'est trop bien. On a deux. Format A2. Il faut juste que je trouve un petit cadre pour la présenter correctement. J'adore. Je trouve ça tellement chouette.
J'ai fini ma petite histoire, ma petite BD avec les histoires courtes. Je peux vous en montrer un ou deux sur mon iPad. J'aime beaucoup celui-là. Avec la petite nana qui reçoit sa coupe. Voilà. Ça m'a quand même pris toute l'après-midi. Hein. Enfin, fin de matinée et l'après-midi. Celui-là aussi, il m'a pris du temps pour dessiner les enfants. Avec la petite barrière et tout. J'ai dessiné des petits détails sur leurs vêtements. Bon, je me suis pas trop non plus laissé aller dans les petits détails et les motifs et tout. Sinon, j'allais prendre tellement de temps. Donc voilà, ma petite participation. Je pense qu'elle sera postée pas trop longtemps. Hein. J'en sais rien, on m'a rien dit encore. Parce que je viens juste de l'envoyer. Du coup, je vous tiendrai au courant. Et regardez ma petite tronçonneuse. Là, j'en ai une là. Et j'en ai une dessinée avec des couleurs ici. Eh, pas trop mal, hein? Voilà, maintenant je sais dessiner une tronçonneuse. Génial! Hier soir, j'ai vu une illustration sur Insta où j'aimais trop la tête de la nana. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Du coup, j'ai essayé de refaire un portrait. Mais cette fois-ci, j'ai essayé d'utiliser une brush en fait, que j'avais vue dans toute la palette de brushes qu'il y a sur Procreate. Et j'avais envie d'en tester une. Et c'est parti un peu en live. J'ai commencé à mettre un peu trop d'ombre et de texture. Au final, le résultat me plaît assez. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Mais du coup, je voulais la montrer en grand sur Procreate. Donc ça fait ça. Donc j'ai eu des super retours, vous êtes trop gentils. Et du coup, j'ai voulu retester aujourd'hui en faisant une autre. Pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner sur une autre illustration avec un peu plus de décor. Donc voilà, j'ai fait ça l'autre à 2h du matin et ça j'ai fait ça toute la matinée aujourd'hui. Bah, du coup ça me prend beaucoup plus de temps que les illustrations que j'ai l'habitude de faire, mais ça change, je trouve ça sympa aussi. À voir où ça me mènera, ça, si je vais continuer ou pas à faire ça. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 14 et j'ai décidé de mettre à la vente les affiches qui m'ont été envoyées que j'avais pas forcément commandé, j'en ai eu plusieurs exemplaires. Du coup, j'ai pris quelques photos que je vais vous montrer de mon affiche, que je vais pouvoir mettre sur Instagram, et je voulais vous montrer du coup comment je faisais pour pouvoir calculer les frais d'envoi, calculer la marge et tout, sur un print, et après vous montrer comment je fais le process, bah déjà pour envoyer, parce que j'ai jamais envoyé quelque chose d'aussi gros. Donc là, je vais essayer de chercher un tube ou un carton rectangulaire assez long pour que mon A2 rentre, pour pouvoir l'envoyer par la poste. Donc je sais pas du tout comment je vais faire, ça je vais regarder. Et je vais vous montrer aussi le tableau Excel que je fais pour pouvoir calculer du coup tous mes prix d'envoi, ma marge, mes frais Etsy, tous ces trucs là. Voilà. Alors maintenant j'ai fini mon tableau Excel, je vais pouvoir vous montrer à peu près comment ça marche pour l'organiser, pour pouvoir savoir combien vous coûte un produit et combien vous allez gagner dessus. Alors, sur ce tableau, j'ai fait deux colonnes. Donc nous avons la colonne B, donc c'est les prints A2 à l'unité. Donc là, je parle vraiment des impressions que j'ai fait. Alors, c'est pas les vrais prix, j'ai mis un prix fictif avec 5 affiches. Donc j'ai pris les prix à l'unité et les prix total. Pourquoi total? Tout simplement parce que vous allez en commander 5 d'un coup. Pour les affiches, pour l'emballage et pour les petites cartes là de remerciement. Et du coup, j'ai divisé ces prix que vous avez payés en entier par 5. Donc nous avons les prix total. Donc j'ai payé par exemple 15€ pour 5 affiches. Donc dans la case qui est là dans la colonne B, j'ai mis donc la colonne C, C2, j'ai cliqué dessus pour l'avoir, divisé par 5, parce que j'ai divisé par 5 exemplaires. Donc pareil pour l'emballage et la carte de remerciement. Ce qui fait qu'au final, nous avons la production, ce que j'appelle production, donc c'est les affiches, l'emballage, la carte de remerciement et les frais d'envoi, c'est des frais d'envoi Colissimo que j'ai mis. Alors je ne connais pas encore le poids exact, j'ai mis un poids approximatif. Généralement quand vous avez des emballages, ils vous marquent le poids que les emballages font à côté sur le site internet. N'hésitez pas à vous en servir de référence. Après les affiches, de toute façon de base, c'est pas très lourd. Donc j'ai pris une référence Colissimo pour 500 grammes pour l'instant. Donc ce qui nous fait un total de toutes ces colonnes là, B, donc 11,70€. Donc pour
produire et envoyer une affiche à deux, ça me coûte 11,70€. Et comme vous pouvez voir dans le tableau, ce qui me fait toujours rire, c'est que c'est les frais d'envoi les plus chers. Faire une affiche, franchement, ça va. Mais alors l'envoyer, ça coûte toujours cher. Bref. Donc, le prix de vente. Si je mets mon affiche sur Etsy, j'aime bien mettre les frais d'envoi inclus au prix de vente. Parce que comme ça, on voit directement le prix final qu'on va payer. En tout cas, ça, c'est des prix pour la France, tout simplement, parce que Colissimo, si vous avez envoyé en dehors de la France, même en Belgique ou en Suisse, ou c'est juste à côté, il faut bien rajouter 5 à 10 euros de plus. 10 euros, c'est sur les frais de port en entier. Donc, ce que je fais, c'est que quand quelqu'un commande à l'extérieur de la France, je rajoute 5 euros au prix de frais d'envoi. Mais si c'est pour envoyer en France, tout est inclus. Du coup, je mets un prix de vente rond, plus simple, de là pour une affiche de 25 euros. Donc ce qui me fait une marge, donc ce que moi je gagne, de 13,30 €. En commerce, on m'a toujours dit ta marge, il faut que ce soit à peu près la moitié avec du prix total. Donc la moitié va dans ton bénéfice et la moitié va dans tes frais. Donc vraiment 50-50. Après, bien sûr, si vous commencez à calculer comme ça, vous allez vite vous rendre compte que le 50-50 n'est pas forcément respecté. Là, j'ai un petit peu plus que ce que ça me coûte, mais parce que bah, y a quand même pas mal de choses derrière, quoi. J'ai travaillé, j'ai dessiné, j'ai fait quand même pas mal de choses. Et forcément, plus vous avez de temps et de travail sur un produit, je trouve ça plus logique et plus juste que notre marge soit plus grosse que 50% par rapport à ce qu'on a payé pour produire le produit. Surtout que ça dépend vraiment des produits. Après, en print, moi, je connais pas très très bien ce marché-là parce que j'en fais pas beaucoup des prints. Mais ça, c'est une marge pour moi qui me semble faire. Voilà. Sur mon Excel, je mets toujours mes références sur... Bah là, c'est les emballages parce que j'ai déjà fait imprimer les affiches. Quand j'ai pas encore fait imprimer mes produits, je mets en référence tous les imprimeurs, que ce soit des imprimeurs en ligne, des imprimeurs dans Paris. Et pareil pour les emballages ou pour les cartes, enfin vraiment tous les produits que je veux envoyer, je mets plusieurs références pour pouvoir comparer tout simplement. Donc là c'est pareil, les unités sont pas exactement les mêmes à chaque fois. Du coup je fais comme même principe qu'au-dessus, les prix que je paye si je commande le minimum sur chaque site, plus le prix auquel ça me revient à l'unité. Donc on se rend vite compte que bah, y en a qui sont beaucoup plus chers que d'autres. La poste, ils en ont même pas, j'avais demandé, mais il n'y en a pas, il faut mieux commander sur internet. Et surtout quand vous faites ça, n'oubliez pas de mettre les liens, parce que sinon vous n'allez jamais retrouver les produits que vous avez mis de côté. Voilà, donc ça vous permet de faire un petit tableau de comparaison rapidement et pouvoir savoir combien vous gagnez sur chaque produit si vous souhaitez vendre des petites choses ou ouvrir une boutique Etsy. Donc j'espère que ça vous aura aidé un tout petit peu. Mais après, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de le faire sur Excel, hein. Vous pouvez le faire sur Word, vous pouvez le faire à la main. Là, c'est parce que Excel, je trouve ça plus simple. Et c'est surtout qu'avec toutes les colonnes, je peux mettre plein de produits différents pour pouvoir même comparer si un produit est plus facile à faire, ouais, qui me coûterait moins à faire qu'un autre et tout. Et essayer du coup de faire des expérimentations dans le sens, essayer de voir qu'est-ce que je pourrais produire comme nouveau produit. Et sans que ça me coûte non plus trop cher en production et qu'il soit original avec des petites recherches en ligne ou ce que je peux faire. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et voilà pour ce petit vlog de septembre. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà pas mal filmé sur plusieurs jours. On va se remettre au boulot et puis je vais continuer à vous filmer pour le carnet du freelance pour que le prochain vlog qui sorte, ce soit toute l'explication de comment on a fait pour pouvoir sortir ce bouquin. Voilà. Alors je te souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon week-end, ça dépend quand tu regardes ce vlog. Et bah si t'as aimé, mets un petit pouce bleu, abonne-toi et comme ça tu verras les prochaines vidéos. Allez, ciao !